Alors, on commence en mettant dans une poêle. Donc, vous faites ça bien à l'avance parce qu'il faut que ça reste minimum 6 heures au frais. Donc, on met 40 g de farine et 200 g d'eau. Voilà. Et tout simplement, on fait chauffer. On remue bien. On remue bien. Jusqu'à ce que ça fasse une pâte collante. Donc voilà, dès qu'on a cette consistance, vous voyez, hop, on arrête, on vient le déposer dans un petit bol et on le laisse 6 heures au frais. Donc nous aurons besoin de farine, de sucre en poudre, de lait en poudre et 200 g de lait mélangé à un œuf. Donc on met tout ça bien évidemment et pardon, le sel bien sûr. Je vous mettrai toutes les quantités, on va remuer tout ça. On commence juste par remuer tout simplement le petit mélange. Et on va venir incorporer dans le bol, dans la pâte, la préparation de la veille. Et voilà, vous faites une boule, vous filmez au contact ou avec un torchon, vous laissez dans un endroit chaud et vous attendez que la pâte double voire triple de volume. Donc après avoir divisé la pâte en 6, vous formez des petites boules et vous laissez couvrir jusqu'à ce que ça regonfle, on va dire une demi-heure. Je vais essayer de vous montrer mes chéris, voilà. Une fois que mes boules elles ont regonflé, hop, vous venez vous étaler comme ça, vous voyez la pâte. Est-ce que vous voyez bien comme elle est? Elle est un peu comme ça, tu vois, ovale, comme une petite pizza. Hop, on rabat un côté. On rabat l'autre côté. Rien de compliqué en soi. Hein. Tac, tac, tac. On rabat ce côté. Ok. Et après, on rabat l'autre côté comme ceci. Et là, on vient tout simplement hop, refermer les bords. Ok. Et ça nous fait un pâton. Comme ça. Et ça, on va venir faire toutes les boules et les mettre, après je vais vous montrer dans le moule.